Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est bien, ça permet de parler des problèmes locaux, de nous, et ça c'est très bien. C'est une très bonne chaîne de télévision, on est très heureux de pouvoir voir ce qui se passe chez nous. On est vraiment dans le cœur de... c'est local, c'est bien. Joyeux anniversaire d'ici et bonne continuation. C'est bien, ça permet de parler joyeux anniversaire d'ici. Des problèmes locaux, de nous, et ça c'est très bien. C'est vraiment intéressant de voir comment ça se passe, dans les coulisses, surtout la régie. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la régie, tout ça, comment ça se passe et tout ça, comment ça se passe avec l'informatique. Parce que maintenant, c'est tout ça, parce que vraiment, ici, dans les Hautes-Alpes, avoir une télévision, c'est vraiment super, on peut voir ce qui se passe, tout ça. J'ai appris comment fallait faire. Je suis contente de vous avoir connu à Télé d'ici ici et de fêter l'anniversaire de Télé d'ici. Et je reviendrai assez souvent et je suis très contente et très ravie d'être là ce soir. C'est impressionnant, la télévision. Je suis contente de vous avoir connu à Télé d'ici ici et de fêter. C'était une bonne soirée et je vous remercie. Nous et vous, c'est 20 téléspectateurs. Bienvenue sur l'émission spéciale pour les 2 ans de d'ici TV. Je vais vous passer dans quelques instants une vidéo quand moi je souffle la bougie, quand Betty souffle la bougie, quand Christelle souffle la bougie et quand Renaud et Yves soufflent la bougie. Voilà, et après je reviens dans quel instant. Dans quelques instants je reviens pour la suite de l'émission. C'est bien, ça permet de parler des problèmes locaux, de nous, et ça c'est très bien. C'est une très bonne chaîne de télévision, on est très heureux de pouvoir voir ce qui se passe chez nous. On est vraiment dans le cœur de... c'est local, c'est bien. De ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Joyeux anniversaire d'ici et bonne continuation. Joyeux anniversaire d'ici. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux. C'est vraiment intéressant de voir comment ça se passe, dans les coulisses, surtout la régie. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la régie, tout ça, voir comment ça se passe et tout, au niveau des appareils informatiques, parce que maintenant, c'est tout ça sur l'informatique, et c'est super, parce que vraiment, ici, dans les Hautes-Alpes, avoir une télévision, c'est vraiment super, on peut voir ce qui se passe, tout ça. J'ai appris comment fallait faire pour faire le JT. Je suis contente de vous avoir connu à Télé d'ici ici et de fêter l'anniversaire de Télé d'ici. Et je reviendrai assez souvent et je suis très contente et très ravie d'être là ce soir. C'est impressionnant, la télévision. Voilà, c'était une bonne soirée et je vous remercie. Nous et vous, c'est 20 téléspectateurs, auditeurs, internautes, tout ça, c'est vraiment la même chose, c'est la même aventure. Si elle existe, c'est grâce à vous, grâce aux annonceurs aussi, à tous ceux qui participent, les actionnaires, etc. Mais aussi parce qu'il y a beaucoup de monde, énormément, c'est la télé locale la plus regardée de France, grâce à vous. Et c'est grâce à vous que le territoire est mis en valeur. Finalement, si elle ne marchait pas, ben, on ne serait pas là. Et puis le territoire resterait absent des écrans télé, comme ça a été le cas pendant des décennies, si ce n'est un sujet tous les 36 du mois, fait par Marseille, quand ils veulent bien se déplacer dans les montagnes, que ça leur fait pas trop loin. Alors donc du coup, bah voilà, c'est grâce à vous, on est content que l'équipe soit avec vous, entremêlée, qu'on discute, voilà, ça c'est vraiment très chouette, ça nous fait chaud au cœur, et voilà, très simplement, c'est parti, c'est que le début, hein, on vient à peine d'inaugurer, on fera aussi quelque chose pour le grand public d'ici quelques temps, une fête aussi pour une aventure, les gens se disaient pourquoi on inaugure au bout de 2 ans, bah parce que c'est une longue aventure, c'est pas un truc un feu follet, hein. Voilà, c'est une aventure de fond qui va durer des années et des années, donc on prend le temps de tout faire, on monte en gamme, je ne sais pas si vous le remarquez, on essaie d'améliorer un petit peu tout ça. Et puis un bravo plus appuyé en particulier maintenant à toute l'équipe, hein, ça va de ceux qui sont permanents ici, à ceux qui sont collaborateurs comme Christophe Adon, Michel Toupé, etc., qui sont associés évidemment à tout cela. Voilà, c'est une...
une magnifique aventure et vous pouvez être très fiers de tous ceux qui travaillent pour ici. Ils travaillent pour eux, il faut gagner sa vie, il faut travailler, etc. Mais ils font vraiment beaucoup plus que ça. Ils le font parce qu'ils sont passionnés par cette région. Certains ne la connaissaient pas, ils se la sont appropriés. Ils veulent la mettre en valeur, la faire connaître dans la France entière et en montrer tous les atouts et rendre compte de l'actualité, distraire les gens, voilà, faire au mieux. Je pense que c'est le tempo de nous tous. On fait au mieux, c'est ce que c'est, mais on fait vraiment le plus généreusement possible les choses. Donc bravo à toute l'équipe et puis bravo à vous téléspectateurs sans qui on serait strictement rien. Merci, bravo. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire d'ici! Joyeux anniversaire! Voilà pour la suite de l'émission. Là, je vais vous passer une vidéo pour voir comment ils sont les studios de DC TV. Voilà. Et dans quelques instants, on revient. Vous allez voir tous les studios, comment DC TV travaille pour nous donner la télévision sur notre téléviseur. Voilà. Je vous remercie, je vous dis... Dans quelques instants, je reviens. On a le plateau là, Samir est là, il fait son journal. Et moi, je gère les micros, c'est avant, on sort de et puis il me dit là, on va lancer le test. Hop, ok. Suivez. Allez-y, allez, en fait, si vous voulez. Moi, je veux des souvenirs. C'est pour ça que je regarde avec le matériel qui travaille. Ce qui nous donne la télé, c'est cette pièce-là. Oui. Ah, c'est pas mal, ça. Et c'est de là que on y va, ben. Mais en vrai, tu pars de là. Et je vais faire un compagne. Vous ne connaissez pas le fond vert, c'est très connu, mais en même temps, c'est toujours un peu... Regardez, vous voyez là. Oui, mais il est bleu. Regardez comment vous êtes, en fait. Vous êtes sur un fond bleu. Là, ouais, c'est ce que, comme je travaille, moi. Un décor bleu, pardon, voilà. Ah, voilà, il y a le décor. C'est marrant, ça. Alors, donc, maintenant, ici, c'est le plateau qui est. Pourquoi les gens se peuvent rassurer pour partir en gros, je crois. C'est la vidéo. C'est à toi. Si c'est vert... Vous savez pas, on va passer comme ça en jeune temps parce qu'on est en train de se serrer. Yeah. Excusez-moi. Joyeux anniversaire d'ici. Allez-y, c'est rigolo. Montrez comment vous souriez, madame. C'est quoi? Merci beaucoup. C'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. C'est sympa. Je filme bien sur le fond vert, je vais enlever le fond moi. Je la vois. Joyeux anniversaire d'ici et bonne continuation. Tu sais quoi? Oh là là. Il y a un fond vert, je vais essayer d'enlever l'image derrière. Moi, j'enlèverai l'image après. Oui, là, derrière la radio tout à l'heure. Allez, édition. Parce qu'il y a de la bonne. J'ai trop soif. Allez, venez. Vous voulez quelque chose? Joyeux anniversaire. Juste pomme aussi. Merci. Regarde la bougie à la main, c'est mieux. Moi, je suis en train de filmer, il y a des souvenirs comme ça. Ah oui, oui, oui. Et là, il y a le fond vert, moi je vais l'enlever, le fond vert, j'ai le logiciel. Ah oui. Merci. Joyeux anniversaire d'ici. Tiens, on dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie. Et ils sont sur le mauvais mur. Oh. Un sourire, hein, comme ça. Merci. C'est le chocolat qu'ils font dans la bouche. C'est raccroché. Merci. On casse déjà tout, hein. Merci. Ouais, c'est gentil. Attendez, Jean-Marc, peut-être qu'il veut s'en servir. Je sais pas. Jean-Marc ? Attendez, avant le 4. On va connaître sur Jean-Marc. Oui. Je vais le chocolat qui fait tout. Hop là. C'est un rayon. Tous, pas ça, mais tout
Tu vois, ouais, c'est le tout. C'est une bonne idée que vous avez eue là. Et alors, bien sûr, ceux qui ont des longs prénoms, ils ont la chance d'avoir un gros morceau. Ce film-là, il y a le fond vert. Oui, oui. Je prends mon. Bon, Louis, j'ai mis la bonne chance, forcément. Nel, on a utilisé le truc avant qu'on mange. Voilà, revenu sur la fin de l'émission. Pour quand sur la fin de l'émission, quand on va voir. Comme à la fin du JT de Valentin Doyer, quand on soufflait les bougies. Et voilà. Et de toute façon, on va se retrouver pour la fin de... On se retrouvera au mois de janvier pour le rallye de Monte Carlo, du 20 au 24 janvier 2016, pour le Monte Carlo à Gap. Et après... Il y aura une grosse émission spéciale en direct, entre guillemets, voilà. Et je vous souhaite une bonne émission, là, et je vous dis à la prochaine. Voilà, à la prochaine, et je reviens dans 4 semaines pour faire Noël aussi. Une grosse vidéo sur Noël. Il y aura un bêtisier que je vais vous présenter au mois de janvier. Et une petite vidéo pour le réveillon de Noël. Et je vous dis à la prochaine. Et on se dit à très bientôt pour l'événement du rallye de Monte Carlo du 20 au 24 janvier 2016 à Gap. Et à la raviste! Une manière bien particulière puisque c'est notre anniversaire et qui mieux que Jean-Marc Passeron, et je l'appelle pour en parler de cet anniversaire. Jean-Marc, c'est à vous. Eh bien oui, on va d'abord remercier tous ceux qui sont venus à ces portes ouvertes. Chaque année, on a émis le souhait de vous faire partager notre aventure, c'est la vôtre, donc il est tout naturel qu'on vous invite à ces portes ouvertes. On remercie tous ceux qui sont venus des quatre coins de la région nous rejoindre, et vraiment les deux départements, le Briançonnais, le Guiestrois, l'Embrunais, le Champsaur, le Gapensé, l'Ubaye de représenter. On remercie particulièrement Aurore de Savines-le-Lac, chocolatière, qui vous attend pour le Salon du Chocolat les 19 et 20 décembre prochains, c'est bien ça? Tout à fait. De nous avoir fait ce magnifique gâteau. Super. Ce gâteau d'anniversaire avec, alors, vraiment, c'est... Tous les prénoms. On apprécie, c'est tous les prénoms de l'équipe et des collaborateurs d'ICI TV. Vous le savez, d'ICI TV et d'ICI Radio, d'ICI.fr, c'est une aventure d'équipe. Alors, cette équipe, elle se compose des téléspectateurs, bien sûr, des auditeurs, des internautes, ceux qui nous suivent en masse, des centaines de milliers sur le web chaque mois, mais également évidemment des collaborateurs, on vient d'en parler, des annonceurs, des actionnaires et des fournisseurs. C'est toute cette équipe qui se bouge 7 jours sur 7, 24 sur 24, 365 jours par an pour mettre en valeur notre région, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Provence, les Alpes du Sud et tous ceux qui font ces territoires. Alors on peut imaginer qu'on va respecter la tradition, se chanter un petit joyeux anniversaire. Ouais, c'est parti. 3, 2, 1. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire d'ici, joyeux anniversaire. Merci à tous, bravo, merci à tous. L'aventure ne fait que commencer. On va la vivre tous ensemble pendant les années, les décennies qui viennent. Bravo, c'est toi qui as soufflé. C'est toi qui as soufflé. Bravo, super. Merci à vous et bonne continuation avec nos programmes. On écrit sur les murs. Joyeux anniversaire. Des messages pour les jours à venir. Joyeux anniversaire, d'ICI TV. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves. Nos espoirs. C'est bien, ça permet de parler. Des problèmes locaux de nous, et ça c'est très bien. C'est une très bonne chaîne de télévision, on est très heureux de pouvoir voir ce qui se passe chez nous. On est vraiment dans le cœur de... C'est local, c'est bien. Nous deux.
de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. Joyeux anniversaire d'ici et bonne continuation. Joyeux anniversaire d'ici. On dessine tout ce que l'on voudrait dire.